Bonjour à tous, c'est David, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Cette fois-ci, on se retrouve sur GT5 pour la suite de la série sur Retro GT, GT5 le let's play, évidemment. Alors, déjà, par rapport à la dernière vidéo, désolé, je sais pas ce qui m'a pris, je n'avais pas coupé mon micro du tout, donc j'en sais rien. Bref, fais pas gaffe, hein. Alors, bon, là par contre, un poil plus compliqué. Pourquoi ? Bah parce que j'ai déjà essayé de faire cette vidéo, sauf que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que l'épreuve qu'on va attaquer aujourd'hui, sont pas évidentes. En particulier la première du jour, à savoir la muscle car. Parce que ouais, je suis tombé sur une Corvette C3 convertible, alors je sais pas ce qu'ils lui ont mis. Bah oui, mais c'est ça, elle a 400 chevaux, putain. En fait, elles ont toutes 400 chevaux. Nous, on est à 300. Donc c'est pour ça, en fait, on sait littéralement ouvrir en deux. Donc du coup, bah, on va l'améliorer. Pour une fois, on va faire un BOP à l'envers. Hein. J'ai déjà fait quelques modifications, notamment j'ai acheté une boîte de vitesse, parce que la boîte de vitesse de base ne sert à rien. C'est une boîte de vitesse qui rupte à 190 km/h à peu près. Bon là, sans modification, je monte déjà à plus de 220. Donc, et encore, c'est même pas suffisant pour aller battre la Corvette C3, qui est derrière nous, cette fois, néanmoins. Ouais, bon. Qui est derrière nous. Est-ce qu'on l'attend de 100? Allez, on l'attend de 100. On l'attend de 100 modifications. J'ai juste mis la boîte, réglé la boîte à peu près. Je l'ai mis à 240, je crois, en vitesse max auto. Donc la prochaine fois, je vous le dis, on fera les événements spéciaux. Je sais pas combien je vais en faire, ni quoi je vais faire. Mais qu'est-ce que je peux faire? Quoi je vais faire, c'est français. Juste. La langue française n'a pas amélioré. Enfin, si, la langue française s'est peut-être améliorée le temps de 20 minutes, mais en tout cas, ma maîtrise de la langue française ne s'est pas améliorée, ça c'est clair et net. Je vais m'excuser encore une fois, c'est juste que à l'oral, étrangement, au champ de vidéo, genre je ne sais pas parler français. Je sais pas pourquoi. Bon, bah on est reparti, hein. Ouais. Ouais, bah ouais.
Eh non. Eh juste non. Non, 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 tu restes derrière. Non, 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 non. Non, 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 mais non. Non, je veux bien, mais non. Je veux bien, mais non, pas deux fois. Non, non, pas deux fois. C'est mort. Putain, mais j'avais un kilomètre d'avance. J'avais un kilomètre d'avance. Je comprends pas pourquoi l'IA est aussi vite dans la parabolica. Je. Sincèrement, je sais pas. Mais j'avais un kilomètre d'avance, quoi. Bon, bref, j'espère que le petit montage là vous a fait un petit peu rigoler. Allez. Pff, ça m'a pris quoi 45 minutes à faire cette course. Sans blague, j'avais quoi? J'avais une demi-heure de record sur la précédente et là j'ai déjà 25 minutes. Ça m'a littéralement pris 45 minutes de faire. Enfin, même plus que ça. Même plus que ça. Quasiment une heure pour faire cette course. Bah, j'espère que les prochaines ne seront pas aussi longues. Bref, on va aller chercher notre voiture pour le festival italien, mais d'abord on va récupérer notre voiture méritée clairement là pour notre festival. La bug spéciale, ok, ça va, ok, bon, ça me va, ça me va. D'accord, on va chercher une bug spéciale qui sera du coup par conséquent la voiture la plus puissante de notre garage. Ok, ça me va, c'est galère, mais bon, le prix en vaut la chandelle. Après, le problème, c'est qu'elle arrive genre bien trop tard parce qu'au final, on va jamais s'en servir et qu'une pique spéciale sur Monza, ça aurait été littéralement démentiel. Mais bon, c'est pas très grave. Bref, donc du coup, on va chercher notre voiture pour la Fiesta italienne ou je ne sais pas quoi, enfin le festival italien ou bref, cette compétition-là. Eh bien, on va aller chez Lancia, et oui, je décide donc de faire cette course en Lancia Delta HF intégrale, et vous le direz, en blanc, pourquoi pas, après tout, même si je pense que globalement le rouge est peut-être plus la couleur de la voiture, mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas tant de voitures blanches que ça dans notre garage, hein, parce que la Civic était couleur foncée, notre Camaro couleur foncée, bleu foncé. On avait la Mazda qui était jaune, la 86 était grise. Je crois pas qu'on ait de voiture blanche dans notre garage. Il me semble pas. Donc on voilà, on diversifie un petit peu. Je vais regarder. Après, je dis peut-être des énormes conneries, mais bon, oui, bon. Ouais, bon. Ok, effectivement. Mais après, on l'a pas. Oui, si, on avait conduit la Corvette. Ok. Donc on a eu une voiture blanche. Ouais, c'est ça. Et le reste aussi, bon, à la berlinette, c'est gris, hein. C'est gris. Clairement gris. On commence à avoir pas mal de bagnoles, n'empêche, hein. Franchement, avec tous les événements qu'on fait, on commence à avoir pas mal de voitures. Ok, donc on continue série amateur, on va faire ces deux courses de festival italien, du coup. Alors, au niveau des voitures, c'est... Je pense qu'on va se balader. Après, techniquement, il y en a une, hein, donc... Bon, on verra. Mais je pense qu'on peut se balader. Alors, du coup, on est parti, pas de BOP, pas de BOP, on a plus le temps pour le BOP. On a plus le temps. Non, puis bon, je peux pas vraiment faire un BOP si je ne sais pas ce que ça vaut, parce que bon, on a essayé sur Monza. Au final, au lieu de nerf la caisse, c'était lui mettre une autre boîte et limite plus de puissance, ça aurait pas été trop. Bon, cela dit, là maintenant, on a une vue intérieure qui vaut ce qu'il vaut. Ça fait déposer par la Stratos. Très bien. Souviens un peu. Par contre, je me rappelle. Je sais pas, elle me paraît vachement basse. Sur GT Sport, étonnamment, je la trouve vachement plus haute. Alors après, c'est peut-être la vue qui fait que. La vache, ça souvient.
a l'air de bien aller vite. C'est une alpha. Quelle, je sais pas. Quoi? Ah, quand je vous dis que ça s'ouvre, je déconne pas. Hein. La Rocky, elle est lourde, mais quand même, quoi. Bon, faut pouvoir aller la chercher, quand même. J'espère. J'espère qu'on n'a pas une grande abysse. C'est terrible. Enfin, c'est bizarre parce que là, dans ces deux virages là, ça paraît bien. En fait, dès que t'as la trajectoire, ça va quoi. Mais si t'as pas la trajectoire, c'est tout droit quoi. Par exemple, je suis rentré un peu tard. Ouais, c'est ça. Ça va pas être évident non plus. Hein. Ça va pas être super évident. Comment c'est que ça va passer? Bon, n'empêche, Lancia Delta plutôt sympa comme voiture. Bon, j'en ai profité, on n'a pas réellement conduit de Lancia. On l'a peut-être conduite en permis celle-là. J'avoue, je ne suis pas sûr. Un Alpha GT, c'est quoi ce truc? Ça peut être juste vraiment Alpha GT, genre? On va la chercher au freinage. Elle résiste, hein. On va passer derrière. C'est une 147, ça, non? Qu'on a derrière, en fait. Parce que Alpha GT, ça me fait bizarre, à mon avis, c'est une 147. Je pense que c'est une 147, d'ailleurs. Putain, on a coupé la paix, ça. Passons à l'extérieur. Ça va, on est large. Devrait aller tranquillement. Parce qu'elle allie. Ah, mais c'est parce qu'elle est du coup de ouf en fait. Non, non, elle est pas basse du tout. Parce que les suspensions sont tellement molles qu'en fait, à l'accélération, t'as l'impression qu'elle est basse ici. Mais en fait, non, non, elle est absolument pas basse. C'est juste qu'elle est molle de ouf. Bon, ça passe pour nous. Néanmoins, c'est bien. J'ai vérifié la température, mais pas du tout. Moitié d'acquisition, parce que j'ai pas vérifié, et c'est vrai que ça fait quand même. Genre. 6 heures que je tourne d'affilée, quasiment. Donc bon. Néanmoins, tout est bon, donc de ce côté-là, voilà, je suis content. Et la course s'est relativement bien passée. Pas besoin de motiver ça. Et si, effectivement, c'est une GT, d'accord, je ne connaissais absolument pas. Bon, c'est bon à savoir. Ok, donc on va continuer. Londres cette fois, alors circuit beaucoup plus serré. Bon, je suis pas convaincu. Pas super convaincu. Que notre voiture est très adaptée à des circuits aussi sinueux, mais bon. C'est pas très grave, 5 km hein, à peine. C'est quoi, c'est à peine plus grand que Monza, hein. À peine. Et encore, peut-être Monza est plus long que ça, je crois pas. Plus ça. Mais ouais. Néanmoins, on va aller. Enfin, ça va être beaucoup plus long, évidemment, vu que les virages sont beaucoup plus sinueux.
ça. Donc voilà. On va se remettre en vue intérieure. Premier virage ici. Oh la vache. Bon, ça va. Je m'adonne à peur. Putain, j'avais pas vu qu'elle était si proche. Non, j'ai pas envie de contrôle traction, peut-être pour ça. Donc là il s'active pas. Cela dit, on a des voitures un peu moins performantes que les leurs, ce qui est bon. Ce qui peut être un peu chiant après. Moi, oh, sérieusement, sympa. Hein. J'ai tué la voiture. C'est pas comme ça qu'on va rattraper une 3 secondes de retard, j'ai oublié. Clairement pas, non. 4 secondes une, ça commence à puer légèrement. C'est terrible. Là, clairement, je serai dans tous les journaux, peut-être dans l'équipe. Voilà, titré le boucher de Londres. Voilà, franchement, ça serait mérité. Hein. On va vite finir ce massacre parce que, ouais. Là, vraiment, on est niveau. Chez l'onde, hein. J'ai même pas besoin que j'aille aussi vite au final. On va toucher le mur, c'est bien. On a attrapé plus de 2 secondes sur le poteau, c'est pas. En particulier avec un virage réussi. J'avais pas besoin de me presser, je sais pas pourquoi j'ai voulu aller aussi vite et au final, genre faire n'importe quoi. Ouh, ça va être chaud. Ça va être tendu, très tendu même. Parce qu'on avait 4 secondes 1 à la fin du précédent tour. Là, on a 1 seconde 8. Allez. Je crois. Ça passe, ouais. Je crois que ça passe. Je peux aller. Ok, d'accord. Bon. Peut-être la pire course que j'ai faite du let's play jusqu'à présent. Hein. Y a moyen, ouais. L'événement était pas ouf. Ouais. Bon, au final, je m'attendais à beaucoup plus de cette Lancia Delta. Je m'attendais à plus de fun ou quoi. Et au final, c'est vraiment une voiture qui tire de l'avant de fou. Particulier à conduire, franchement, ouais. Bon. Après, j'ai vraiment pas bien roulé là pour le coup. Mais bon. Après, c'est pas très grave non plus. On est en solo, tout ça, comme d'habitude. Mais voilà, j'aime bien des fois mieux rouler que ça. Parce que bon, quitte à faire des vidéos sur le solo qui est peut-être pas forcément tout le temps amusant. Autant le faire correctement. Il nous reste du coup 3 courses. Et qu'est-ce qu'on va bien pouvoir prendre? On pourrait prendre notre Corvette. On pourrait prendre notre Corvette, effectivement. Je me tâte à prendre la 512. Quoique la 512 BB coûte plein, non? Julia Sprint, c'est bien gentil, mais bon. Est-ce qu'on n'a pas autre chose là-dedans qui peut nous intéresser? Bon. Comment dire? Ouais. Je crois qu'on va se faire un petit plaisir pour
terminer. Alors, faut voir le prix. Mais j'avoue que l'idée de prendre une 512BB me botte pas mal. D'autant plus que cette 512BB pourra être utile par la suite. Donc, après, j'avais pas tellement envie de prendre une 512BB, mais bon. 102 000, bon. Bon. Écoutez, je pense qu'on va se faire petit plaisir là. Voilà, on n'achète pas grand chose dans la série, mais on va se prendre une petite 512BB en rouge, évidemment. C'est parti. Va peut-être falloir qu'on la nerfe. Mais bon, je sais pas. Ok. Bon. Du coup, 512BB. C'est parti, bon, on va quand même aller récupérer notre Alfa Romeo Giulia, quand même. Giulia Sprint 1600. Ouais. Celle-ci est en premier, vous croyez? Ouais, peut-être moyen vu les phares. Hein. Non, celle-ci est en standard. Celle-ci avec clairement standard. Tu le vois de toute façon, quand la vitre est toute noire comme ça et que tu vois absolument rien d'autre, en général c'est standard. Après, je me trompe peut-être. Parce que c'est vrai qu'elle a des rétrochromés et tout, elle a l'air pas si mal modélisée, mais je pense que c'est le standard. On va regarder ça, mais... Ouais, c'est effectivement le standard. Est-ce qu'elle est plus rapide que celle qu'on avait? Même pas. Même pas. Non, parce que, évidemment, nous on avait l'aspect châle, et du coup, voilà. Mais... Mais ouais, on va se prendre cette gentille 512BB de 1976, ouais, une bonne voiture. Puis bon, je me dis que à la limite, ça pourrait être utile pour celle-ci. J'aime pas prendre à chaque fois les mêmes voitures, mais c'est quand même un peu plus cool de rouler en 512BB que sur d'autres. Donc ouais, puis on a une vue intérieure aussi, c'est bien. Parce que bon, le truc c'est que si je prends... Bon, je pouvais prendre la Corvette a une vue intérieure. Mais ouais, encore une fois, la Corvette, je l'ai déjà conduite. Puis ouais, on affronte des Miura, on affronte des trucs comme ça. Bon, 512BB, pourquoi pas? Pourquoi pas? Presque, on a besoin de la nerf. On a combien? On a 477 pp, il y a moyen. Hein. Je crois qu'on va la nerf. On va la nerf un petit peu, on va lui mettre 320 chevaux. On va voir ce que ça donne, mec. Je pense que ça sera pas mal. On a 3 courses à faire, hein, néanmoins. 3 courses de 3 tours, il me semble. Donc, va pas falloir traîner non plus. Hein. Après, c'est vrai qu'en vrai, j'y ai pas pensé parce qu'on a déjà roulé la 512BB sur Rome. Vu que c'était une épreuve de perte. Bon, c'est pas grave. Cette fois-ci, c'est la nôtre. Ok, ouais, on va bien pouvoir la nerf, parce que je vous dis. Ouais. Alors, j'avoue, j'étais pas super prêt à l'idée de... Spinala comme ça. Peut-être qu'ils sont inspirés du châssis de la 512BB l'année dernière. Hein. Qui sait. J'avoue que j'étais pas préparé à cette idée là. C'est ouf, 3 elle a tendance à perdre l'arrière des fois. Waouh. Alors dès qu'elle est engagée, elle est engagée quoi. Mais... Dès que tu freines. Fort, tout de suite ça se déleste complètement. J'ai même mal à réaxer. Je sais pas si elle est comme ça sur GT Sport, parce qu'il me semble qu'elle est sur GT Sport. Je crois. Je sais pas si elle est comme ça.
Tu veux drifter, elle. T'es chou. Le coup de raquette, j'étais pas prêt. Mais bon, je veux drifter, vas-y, drift, hein. Et du coup, elle a moins de puissance que tout à l'heure. Hein. Je me rappelle plus exactement. C'est quoi ce truc? T'as en vue intérieure, c'est quoi? Ah, j'ai reçu l'essuie-glace, c'est assez étonnant. Bon, au moins le conducteur l'entend. Elle a vraiment tendance à perdre le grip d'un seul coup, c'est horrible. C'est fun, mais horrible. Après, cela dit, c'est vrai que depuis le début du jeu, on a quand même des caisses qui accrochent un peu trop le panneau. Il faut dire ce qu'il y a, donc là, ça fait quelque chose de plutôt sympa. Sur Suzuka, ça risque d'être quelque chose par contre. Parce que les S avec des grips comme ça, là, c'est. Ouais, il est. Bon, le dive était un peu. Trop osé. Voilà, on va la nerf encore un petit peu. Parce que David BOP a pas fait ses. Ce qu'il fallait, mais waouh, 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 waouh. C'est moi qui appuie deux fois sur la palette ou c'est la... Je crois que c'est la palette, ou alors j'appuie pas suffisamment fort ou pas assez, du coup ça me bloque deux fois, je sais pas, mais... Bref, en tout cas voilà, on a une 512 bébé toute neuve. Putain, mais elle est là la Mura. Bah en vrai, moi je dis, c'était le duel qu'il fallait. 512 BB Mura, moi je dis. En fait, à mon avis, c'est la largeur des roues qui me paraît toutefois assez ridicule. En fait, je sais pas, peut-être que je suis mal. Ouais, non, c'est l'ombre qui fait que... Je m'en fous du nom, en fait, une arrière pour l'air plutôt costaud. Mais waouh, elle est instable, mais d'une puissance. C'est assez particulier. C'est sympa, c'est sympa. Franchement, c'est sympa, mais... j'étais pas prêt. Franchement, j'étais pas prêt du tout au tête à queue. Je m'y attendais pas. Pourtant, j'aurais dû savoir, parce que c'est vrai que la 512 BB a jamais été réputée pour être une bagnole qui avait énormément de grip sur GT, mais ouais, je sais pas. Ça m'est complètement sorti de la tête, et pour le coup... La voiture me l'a très 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 vite rappelé. Donc voilà. On continue sur Suzuka. Alors d'ailleurs c'est bien, les combos me semblent plutôt judicieux parce qu'en l'occurrence on a de l'américaine, de l'italienne. Est-ce qu'on a de la japonaise? On n'a pas de japonaise. Donc en fait non. Voilà. Je pensais qu'il y avait des japonaises. Donc, voilà mais... D'ailleurs contrôle traction non, on ne semble pas la désactiver, si. Ou alors je m'en rappelle plus du tout, enfin bref. En même temps, je fais des trucs des fois par automatisme et je fais même pas attention à ce que je fais. Donc voilà. Bah quand même la nerf, je dis 300 chevaux, ça me paraît bien sur Suzuka. Forcément, ça va être un peu moins... disons, un peu moins... tricky à conduire. Mais bon... Ça devrait... Ok, donc j'ai fait un essai. Bon, déjà on est en train de roder la voiture, donc on gagne de la puissance, mais bon, ça c'est qu'un détail. Je vais repasser à 320 chevaux. Et je vais rouler en vue capot, parce que j'ai, disons, sur la précédente course, pas réellement donné une très bonne image de cette voiture. Qui est bien, donc on va en profiter. Il n'y a pas besoin d'être nerf, là j'ai testé à 300 chevaux, personnellement j'arrive pas. Et pourtant je roule en vue capot. Voilà, je vais essayer de rendre hommage un peu à la voiture en faisant une course propre. Parce que oui, la voiture est très très bonne, franchement. C'est, elle est super tricky à conduire. Après, c'est franchement quelque chose de cool, franchement. C'est plutôt sympa d'avoir une voiture qui est assez compliquée à conduire. Néanmoins, dans ce pool, ça par contre, elle est vraiment infâme. Enfin, c'est pas qu'elle est infâme, mais faut faire super gaffe. Faut vraiment faire super attention sur cette voiture.
Par contre, ouais, autre remarque, la Mura en ligne droite, c'est quoi ce délire? J'avais remarqué ça, je crois, pendant mon permis. On l'a essayé la dernière fois. Mais, waouh, quoi. Puis ils sont. Enfin, voilà. Après, je sais pas si les 20 chevaux vont vraiment changer. Bon, je suis bien mieux que la précédente course, donc ça devrait gagner assez facilement. Mais bon. Ouais, vous voyez, donc Spoon, je déconne pas, il galère. Allez, objectif de la course, passe un Spoon correctement. Mais waouh! Les sensations sont là en tout cas, les sensations sont là, c'est cool. Sur Laguna, ça peut être un joyeux bordel aussi, parce que dans Corse Crew, l'instabilité de la caisse. Ouais. Étonnamment dans 130R ça va encore. Parce qu'on est plus ou moins haute vitesse. Ouais ça va encore, ça va encore. Ouais bon. Faut pas trop lui donner de mou à la voiture parce que si tu faisais du jour. C'est peut-être la voiture la plus rapide qu'on ait connue jusqu'à présent dans notre carrière en tout cas. Sans compter les permis. Peut-être 512 dB, on monte en catégorie, c'est bien. Un peu large. C'est pas très grave. On va s'en sortir. Sans problème. Mais bon, au final, j'ai conduit vraiment mal. Là aussi, on peut monter quand même. On va essayer de faire un dernier tour clinique. Quand on fera un dernier tour. Je fais pas exprès. Hein. Par contre, ouais, cette vue capot. GT5, elle est vachement traître, vachement traître. T'as l'impression que tu peux aller 100 fois plus vite en fait. Absolument pas. Allez, spawn. Essayez d'être correct. Ah, comme je vous dis, il faut faire gaffe quoi. Si tu fais gaffe en troisième, ça va tout seul. Attention quand même à la sortie. Ça va tout seul. Mais ça, sérieux, mais si. Elle est complètement stoppée dans le centre inter, ça me fait sortir. C'est incroyable. Encore cette Mura là devant, ça va. Hein. Mais la Mura derrière, mais elle va à une vitesse, putain. Donc je dirais même un Mura devant, mais la vitesse sur la sortie. Non, la Mura derrière, elle va plus vite. Elle est 10 fois plus vite. Putain, je suis à 2,40 quoi. Et 2,40 sur Suzuka, c'est pareil, hein. C'est déjà pas mal 2,40 sur Suzuka. En plus, avec des voitures comme ça qui sont peut-être moins la Mura est quand même beaucoup plus stable et tout. Mais la 512 BB, c'est vraiment un circuit sur. Enfin, un circuit, non. Un cercueil sur roue. C'est. Ah, c'est pas évident.
Ok, elle a du grip de ouf, cette Mura, franchement. Sur la Bouna CK, ce sera plus simple, je pense. Ok, beaucoup de droite. Ah, non, là, tu veux lui faire le dive, mais. Ok. Allez, on laisse passer, on est fair play. Bon, la Mura derrière va nous. Littéralement nous aiguiller. Est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir? Est-ce que ça freine ici et non? C'est pas dit qu'on la gagne. Sincèrement, c'est pas dit qu'on la gagne. On va vraiment essayer de sortir le plus vite possible de. Le spoon. Ouais, la Mura derrière, c'est n'importe quoi. Regardez la vitesse où elle arrive. C'était chaud. Encore la Mura de devant, ça va, mais c'est là. C'est moi ou... Dirty entre coéquipières, bien haut. Bravo les Mura, bravo, franchement bravo. Hein. Ah, c'est le GG là. Ah, c'est le GG. Bon, on va s'imposer, non sans mal. Hein. Franchement, le dernier tour est pas mal. Pas évidente encore. Hein. Pas évidente encore cette tour. Bon, après, évidemment, avec du contrôle traction, ça aurait peut-être été un peu plus effectivement. En tout cas, voilà, j'espère que je vous ai montré un petit peu comment se roule cette voiture. Faut être vraiment très très doué avec la voiture. Super doué avec la voiture. À part ça. Désolé. À part ça. Bah, ça va, hein. À part ça, ça va, mais oui, évidemment, si. Il se produit. Une Mura qui arrive à 500 000 km/h derrière, la course peut être très compliquée. Hein. Bon, là, ça m'inquiète moins, je vais pas nerf la voiture, parce que voilà. On va continuer dans notre élan. 3 tours de Laguna Seca, 10 km, 806, donc ça sera. Plus rapide que Suzuka, ça c'est clair et net. Je pense que là on serait aux alentours d'une 30 auto, je dirais. Peut-être une 40. On verra bien. Allez, c'est parti. Regarde, la Mura va tellement vite qu'elle freine déjà. Bon, en même temps, t'as la Jetson Interceptor devant. Pas des masses, hein. Vous avez pu vous en rendre compte. On va terminer cette vidéo, je pense, en vue intérieure. En essayant de ne pas mourir à tous les virages. Ma palette m'a fait un peu bizarre, donc j'ai vérifié si tout était bon. Mais même là-dessus, ne dites pas que même là-dessus la Mura est complètement roubée. Bon, il y a le corps scoop, logiquement, ça va aller. Le corps scoop, je l'ai prévu au final, hein, parce qu'on veut là. C'est très très bien. C'est dingue, tu lui donnes le moindre coup de mou direct. Direct, la caisse te rappelle que je suis là. Ah, franchement, si vous mettez toutes les courses avec cette caisse là, aucun moyen que je m'endorme. Hein. Impossible de t'endormir avec une caisse pareille, absolument impossible. Tu détournes le regard du microseconde, tu fais un mauvais, enfin un truc que la caisse aime pas, c'est direct en punition. C'est bizarre parce que là par exemple elle a l'air super clean, mais dès que tu montes dans les
dans les tours et qu'elle prend de la puissance directe, c'est Will Spin. Vous voyez là, je suis pas dans les tours, c'est tranquille. Mais dès que tu déploies les chevaux, ça... Là, vous l'avez senti le petit wheel spin là quand j'ai repassé la dedans. Enfin, senti non, mais entendu, probablement. Allez, en 1, soyons fous. Bon, ça va. Fais attention. On va essayer de faire un gros tour, vous savez quoi, en vue intérieure. En vue intérieure, non, en vue intérieure, vous savez. C'est parti, je me tais et puis je vous laisse profiter du dernier tour. Complètement la bête. Magnifique. J'ai énormément de mal, c'est l'un de mes gros soucis en vue intérieure, hein, c'est que j'ai tellement de mal à placer la voiture que c'est ouf. J'arrive pas à bien me repérer en fait. Après c'est normal, hein, j'ai en vue extérieure, mais c'est pour... enfin, en vue intérieure, mais c'est pour ça que je roule en vue intérieure que quand c'est tranquille. Et je veux m'amuser un petit peu parce que... ouais. Bon après, par contre, si je passe sur des jeux par exemple comme iRacing ou quoi, ou la vue intérieure forcée, bon, il va bien falloir que j'apprenne à rouler en vue intérieure. Mais on n'en est pas là, donc je peux encore me permettre de faire des erreurs en vue intérieure, on en profite. Et donc on termine ce championnat de bien belle manière, enfin, bien belle manière, je sais pas, mais vu mon premier virage absolument désastreux, j'ai pris le point de freinage des groupes 4. Hein. Bah, vous me direz, l'IA a pas l'air d'être vachement plus à l'aise que moi, hein, parce que... Là, le premier virage était un peu... bon, particulier, on va dire. Allez, 14 000 crédits, 2650 XP, et c'est terminé donc pour cette vidéo. On va quand même découvrir ce que l'on va gagner. Je m'attends à une petite Ferrari 458, c'est à dire perso. Voilà, c'est dit, c'est le type de voiture à laquelle je m'attends. On va voir ce que ça donne. On va voir ce qu'on a. Mais voilà, j'annonce une petite Ferrari 458 cette année. Alors, on est très loin. Après, peut-être dans le pont gâteau niveau 9, je sais pas. Ouais, on est très loin de ça. Hein. Je crois que la 458 est au-dessus de niveau 9. Après, j'aurais dû m'en douter. Série amateur terminée, oui, effectivement. Donc la prochaine fois, on s'attaquera aux événements spéciaux. Hein. Donc voilà, on continuera les événements spéciaux. Je sais pas trop ce que je vais faire encore. On verra bien. Donc, Dom Zero Concept. Là encore, bon, ah oui, après, oui, effectivement, c'est du concept, tout ça, mais... Standard, c'est con. C'est con, on gagne que des voitures standard. On gagne que des voitures standard. D'ailleurs, il me semble que la Camaro avait gagné dans un bon cadeau, je crois, non ? Je crois que la dernière fois on a eu la Camaro, et du coup cette fois-ci on aura quoi? Niveau 9, un petit peu plus haut. Regardons ce que l'on va avoir.
Oula, ça me fait peur. Non, en fait, ça. Je me suis dit, oula, une Golf? Non, une Ref RGT. Pourquoi pas, ça peut être utile. Alors, encore une voiture standard, décidément. Mais, ouais, ça peut être utile. Ça peut être utile. Je crois d'ailleurs qu'il y a une... Il y a une course sur laquelle ça pourrait être utile. On va jeter un œil. Mais une Ref RGT, pourquoi pas. Sympa. Donc après, on attaquera les séries professionnelles. L'Upo Cup, bah ça on l'a, c'est bien. Que ce car champion type. Ah, c'est un championnat, c'est pas. Ouais, championnat si on veut. Ok. Bah là-dedans. Hein. Une Ref RGT là-dedans. Pourquoi pas? Ah, quoique, quand même! Quand même! Bah, c'est alors en. C'est l'expert? J'ai débloqué, oui. Ouais, voilà, c'est sur ça que je pensais que ça aurait pu être intéressant. Après, vous me direz, non, c'est des plus petites, hein. Ouais, c'est des plus petites. Ou alors défi turbo. Défi turbo, une Ref RGT, pourquoi pas? Bon, en tout cas, elle nous servira à quelque chose. Je pense qu'on ira jusqu'à celle-là, hein, la Polyphonie Digital Cup. On n'ira pas en série extrême. Enfin, quoi qu'après, vous me direz, après la série extrême, il y a la série endurance. Hein. Est-ce qu'on finira la série extrême? Je sais pas, on verra si on a besoin d'XP. Hein. Après, bon, là, on a fini la série amateur. On est donc niveau 18. Il nous reste quand même pas mal d'événements spéciaux à faire. Je vais regarder vite fait, bon, tant qu'on y est, hein, parce que voilà. Rallye Gran Turismo? Bon, on sera le rallye Gran Turismo, et puis peut-être la vidéo d'après, on sera le Grand Tour. Je sais pas, on verra bien. Après, par la suite, le défi rallye, Sébastien Loeb. Ok, donc, on se retrouve pour cette outro. Alors, j'ai 2-3 petits trucs à vous dire. Déjà, veuillez m'excuser de la fatigue qui a pu paraître un peu présente sur la fin de cette vidéo. Voilà, ça faisait 7 heures d'affilée que je tournais, donc j'étais un petit peu crevé. Néanmoins, j'espère que ça vous a plu quand même. Alors à savoir que cette vidéo-là, je l'ai quand même pas mal réduite parce qu'à la base, elle faisait 1h30, donc voilà. C'est pour ça que j'étais un peu aussi fatigué aussi. De refaire globalement la même chose pendant trop longtemps, j'ai trop galéré sur certains événements que, voilà, tout simplement parce que je me mets des limites en termes de puissance et tout, et que forcément, bah, c'est pas tout le temps adapté, et qu'il faut que je revienne dessus régulièrement. Mais néanmoins, je pense que enfin, franchement, je pense que c'est mieux pour la série, parce que faire des courses où je suis tout seul devant, ce serait pas forcément super intéressant, donc voilà. Par rapport à la série, donc du coup, j'aimerais bien terminer assez rapidement, parce que je pense qu'au bout d'un moment, ça va vous lasser, évidemment, c'est logique. Donc ouais, j'espère terminer assez rapidement, comme ça on peut passer à d'autres choses sur ce jeu, mais sur d'autres. J'ai quand même pas mal de choses encore à parler sur ce jeu. J'ai réfléchi longtemps, je me suis dit que globalement c'était peut-être pas forcément quelque chose de très malin à faire au niveau des conséquences qu'il peut y avoir, parce qu'on ne sait jamais hein, ce qui peut se passer. J'ai quand même pris la décision, alors à moins que j'ai clairement quelqu'un qui s'y oppose et que c'est chaud pour ma gueule sur GT Sport, mais s'il n'y a pas de problème... je compte parler du hacking sur GT5, parce que pour moi, tu ne peux pas parler de GT5 sans parler du hacking. Donc, on testera ça, on fera des expériences, on fera... Alors, on va s'amuser un petit peu à détruire ce jeu. Après la fin du let's play, évidemment, parce que pour moi, c'est important de le finir avant. Hein. Je rappelle quand même que les serveurs de ce jeu sont off, donc de toute façon, il n'y a pas grand chose, enfin, il n'y a pas grand monde que je peux gêner, quoi. Donc ouais, on s'amusera peut-être avec ça, voilà. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à parler sur ce sujet-là, notamment sur GT5, qui a été un jeu qui a été extrêmement impacté par ça, donc je pense que c'est important d'en parler. Donc on en parlera, alors quand, je ne sais pas, du moins je vais faire mon possible pour qu'on en parle, voilà. Par rapport à la suite de la série, comme je vous ai dit, voilà, on va faire des événements spéciaux prochainement, donc voilà, ça sera peut-être en plusieurs vidéos, je ne sais pas. Et puis voilà, je pense à peu près avoir tout dit. La prochaine fois, évidemment, je ferai un peu plus attention au mélange de son, parce que le mélange de son était particulièrement mauvais sur les dernières vidéos. On m'entendait pas assez par rapport au son de la voiture, je pense, donc j'essaierai de régler ça un petit peu.
Donc ouais, je pense à peu près avoir tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager à vos amis et à tout le monde. Si vous pensez que ça peut les intéresser, n'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper et activer la cloche, évidemment. Donc voilà, pour ceux qui voient des pubs également sur les vidéos, c'est normal. C'est tout simplement la fonctionnalité que j'ai activée sur la chaîne pour pouvoir toucher des revenus avec ma chaîne. Alors pas grand-chose, mais bon, si ça peut à la fin de d'une année ou deux, je sais pas, m'offrir un matos pour améliorer la qualité de la chaîne, je dis pourquoi pas. Donc ouais, j'espère ne rien avoir à louper et puis ne pas, enfin ne rien avoir oublié surtout, c'est ça que je voulais dire. Et puis du coup voilà, allez sur ce les gars, je vous laisse, c'était Débile, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!